Have you felt like something is missing in your life? That there's more to life than the one you are living? Then you, yes you, are invited to obtain an abundant life during our 16th annual convention. Continuous divine miracles, uplifting music, and power-loaded sermons. A weekend shaped to transform your life. The date is set for July 26th to 29th, starting 5 p.m. on Thursday, all day Friday and Saturday, and then coming to an end on Sunday. Join us in New England region and Holiday Inn at 700 miles, Standish Boulevard, Taunton, Massachusetts, with Pastor De Leonie and More of God's Children. Join Pastor Dr. Roth ECN and More of God's Leaders at Deeper Life Bible Church, 213 East 144th Street, Bronx, New York. Pastor Raheem Oni and other ministers will be expecting you at Deeper Life Bible Church, 23 South 20th Street, Irvington, New Jersey. If you live closer to Deeper Life Bible Church, 5075 Barthold Road, Denton, Texas, then attend the program with Pastor Thompson Adiremi and Great Plains Region. Pastor Michael Dada and Mid-Atlantic Region will be meeting at Deeper Life Bible Church, 2000 Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard, Kinston, North Carolina. Lastly, Pastor Dr. Ike Okafor and Pastor Dr. Akin Adeyemi will be waiting for you at Deeper Life Bible Church, 245 University Avenue West, St. Paul, Minnesota. The General Superintendent, Pastor W. of Kumuyi, will be ministering at all of these locations. Come and be filled with daily preachings, prayers, and praises from all of our leaders. Join the people of God for an all-round, life-changing experience that I assure you, you cannot miss. Do you want to live the abundant life? Deeper Life Bible Church invites you to our annual national convention beginning at 5 p.m. on Thursday, July 26th to Sunday, July 29th, 2018. The venue is Deeper Life Bible Church Convention Center in Kinston, North Carolina. The thief cometh not but for to steal, kill, and destroy. But Christ has come to give you the abundant life. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do. The theme this year is The Abundant Life. Ministering, Pastor W.F. Kumi, Pastor Michael Dada, and other anointed ministers of God. Also ministering is the Glorious Voices Choir of Deeper Life Bible Church. Come and experience God in the abundance of His power. Come and experience The Abundant Life. Que le peuple de Dieu dise, je vous accueille tous au nom de Jésus-Christ. Que c'est une grande nuit. Je dis que c'est une grande nuit. Quelque chose de bon vous arrivera. Il y a la promotion divine. Où êtes-vous? Cela viendra sur votre famille. Cela viendra sur votre vie. Le Seigneur va transformer votre vie. Lorsque vous aurez fini, lorsqu'on aura fini ici, allez écrire la date d'aujourd'hui. Quelque chose d'inoubliable. Quelque chose d'impensable. Quelque chose d'incroyable. Toutes les choses qui se tiennent sur votre voie. La toile d'araignée là est ôtée aujourd'hui. Levez ces mots-là et que vous soyez oint. Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ton peuple cette nuit. Tout le monde, tout frère, toute sœur, tout le monde. Je prie, Seigneur, que le ciel s'ouvre sur tout le monde cette nuit au nom de Jésus-Christ. La promotion divine. Qu'il est la croissance divine, qu'il est la croissance venant du ciel, qu'il est la promotion venant du ciel, inoubliable, fais-le dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Je te remercie parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Assoyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Ézéchiel.
chapitre 34, je lis verset 26 et verset 20. Ézéchiel 34, verset 26. Je ferai d'elle et des avirons de ma colline un sujet de bénédiction. Dieu parle de vous ici. Voici le Dieu Tout-Puissant qui dit: je ferai de toi et des avirons et de tes avirons un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Regardez ceci, et ce sera une pluie de bénédiction. Vous ne savez pas que c'était là, cela t'attend. Que ce soir, il y aura une pluie de bénédiction sur toi, dans ta famille. Une pluie de bénédiction. Verset 27. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel. Cette nuit, vous saurez qu'il est l'Éternel. L'Éternel, ton Rédempteur, l'Éternel, ton Sauveur, l'Éternel, celui qui porte le fruit dans ta vie. Quand je briserai les liens de leurs joues et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Cette nuit, vous l'avez déjà obtenu. Il y a un verset qui vous attend voyons le chapitre 36, verset 11. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. J'ai perdu un ami là-bas. Ils multiplieront et seront féconds. De qui cela parle? Je dis, de qui cela parle? Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez, Dieu dit qu'il vous fera plus de bien qu'autrefois. Vous saurez que je suis l'Éternel. Cette nuit, vous saurez. Nous sommes là cette nuit pour la nuit de croissance et la nuit de fécondité. Et le message est le miracle de croissance. Le miracle de croissance pour vous, pour votre famille, dans votre profession, dans votre vie personnelle, dans votre ministère. Et quand nous parlons de la croissance divine, ce n'est pas limité aux choses matérielles. Oui, les choses matérielles sont là. Oui, le travail est là, le boulot. Oui, l'emploi est là. Oui, il y a de l'argent là-bas. Mais cela ne se limite pas à cela. Et cela n'est pas restreint à aucun groupe d'âge. Alors, les jeunes auront la croissance. Les personnes âgées auront la croissance. Chacun peut avoir la révélation et la réalisation de cette croissance divine. La révélation de Dieu nous présente avec une nouvelle vie. La croissance dans votre vie personnelle. Une vie abondante. La croissance de force. La croissance dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. La croissance dans toute réalisation positive, et profitable. Je vois des concurrents et des réalisateurs devant moi. Quelle que soit la chose qui se tient devant vous et qui vous empêche à avoir ce que vous aurez, la chose là sera déblayée de devant vous cette nuit au nom de Jésus. Le Seigneur nous a promis la croissance divine de bénédiction, la croissance de fécondité, la croissance de sagesse, la croissance de provision, la croissance de victoire. Il y aura l'addition et la multiplication de toutes bonnes choses dans votre vie. L'addition. Que quelqu'un m'aide à créer addition. Il faut créer multiplication. Cela va se produire. Et cela va commencer cette nuit dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Rapidement, nous allons voir trois points. Numéro un, la promesse et le prix de la croissance divine. La promesse et le prix de la croissance divine. Numéro deux, la position des colonnes
dans une croissance désirable. Il y a une croissance désirable. Je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je désire ceci. Alors je veux m'attirer ceci. Mais comprenez, il y a des colonnes, des piliers sur lesquels cette croissance désirable sont bâties. Deuxième, la position des colonnes dans une croissance désirable. Troisième point, notre prière et notre préparation pour une croissance distribuée. C'est-à-dire, ce n'est pas une croissance, qu'on embouteille quelque part et qu'on encaisse quelque part, mais c'est une croissance distribuée. Votre vie sera une bénédiction. Vous allez toucher plusieurs vies avant de quitter ici. Plusieurs seront bénis au travers de vous au nom de Jésus-Christ. Notre prière et notre préparation pour des croissances distribuées. Premier point, la promesse et le prix de la croissance divine. Vous voyez, quelque chose vous surprend. Vous voyez, quand les gens viennent à l'église, les gens voient les promesses de Dieu. La chose qui suit, c'est la prière. Et la prière est merveilleuse. Dieu exauce la prière. Et Dieu va vous exaucer cette nuit. Et il y a des promesses que le Seigneur nous a données. Et les gens disent que, pasteur, donne la promesse et prie pour moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. Mais vous voyez, il y a un prix à payer tout au long avec la promesse. Laissez-moi vous l'expliquer comme ça. Dieu a donné à l'homme qui est un cultivateur. Dieu lui a donné un beau terrain, un terrain fertile. Et Dieu lui a donné les récoltes. Et tout est prêt pour que l'homme ait la croissance, ou une grande moisson. Et l'homme l'a dit, Seigneur, je te remercie pour tes promesses. Et puis il s'est assis à la maison, et il est resté dans sa maison, et il vient à l'église, il dit, j'aime Dieu, et que les promesses de Dieu sont merveilleuses. Et il passe son temps à l'église, prier. Il n'a jamais allé au champ pour semer. Y aura-t-il une moisson? Jamais. Le prix à payer, c'est que il doit prendre les graines, les récoltes, les graines, aller aux gens. Oui, Dieu a, il a béni le nom de Dieu, mais il doit aller là-bas sur ce terrain-là et mettre et semer les graines. La moisson viendra. La promesse et le prix. Les provisions sont gratuites, mais nous devons faire des efforts nécessaires pour posséder. Je vois des possesseurs devant moi. La promesse de richesse dans tout domaine de votre vie. Et puis, il y a aussi le travail qu'on doit faire pour moissonner les bénédictions de la croissance divine. Laisse-moi dire. Pour réaliser, on doit agir. Si vous êtes oisif, vous croisez les bras, vous ne faites rien, vous n'allez rien réaliser. Dieu est à vos côtés. Les promesses de Dieu sont là. Les bénédictions de Dieu sont là. Mais pour réaliser, on doit agir. Pour réussir, nous devons transpirer, suer, étudier. Dieu nous a donné le cerveau. Les livres sont là. Les écoles sont là. Les opportunités sont là. Je vais réussir. Dieu nous a promis. Oui, Dieu merci, vous allez réussir. Mais pour réussir, le prix à payer est là. Nous devons transpirer, étudier. C'est comme je veux être juste. Et les promesses de Dieu sont là. Et la parole de Dieu est claire. Et Christ est mort pour moi à la croix. Mais tu sais, mais pour être juste, je dois me repentir. Je dois me détourner de mes péchés. Je dois croire au Seigneur Jésus. Et la justice viendra. Pour être sauvé, je dois me soumettre. Il y a quelque chose à faire. La promesse est là. Et le prix à payer. Pour moissonner, on doit semer. Pour moissonner, on doit planter. Pour avoir ou bien gagner, on doit donner. Pour triompher, on doit travailler. C'est ainsi la vie est. C'est ainsi Dieu a structuré les choses. Oui, la croissance divine est disponible pour toi. Et puis, s'il y a une maladie qui t'empêche, nous allons jeter la chose là. S'il y a une puissance qui t'obstrue le chemin, nous avons chasser la puissance et la force intérieure va venir. Et la puissance intérieure va venir. Et vous allez sortir. Vous allez faire quelque chose de tangible. Quelque chose de pratique. Quelque chose de profitable. Et vous allez réussir. Oui.
pour les choses, pour les bénédictions inoffensives de Dieu, il faut la bénédiction de Dieu. On doit avoir le contact avec Dieu. Je vois des gens qui sont en accord avec Dieu. Vous êtes en accord avec Dieu. Vous ne pouvez pas échouer. Vous n'allez jamais échouer. Vous ne devez pas échouer. Le ciel vous soutiendra. Laisse-moi vous montrer de la Bible. Il y a la promesse et puis il y a le prix. Il y a quoi? La promesse et puis il y a quoi? Le prix à payer. Allons à Genèse 1. Genèse 1. Genèse 1, verset 6. Genèse 1. 1, verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Quelqu'un là-bas est déjà fécond. Multipliez. Ne vous l'ai-je pas dit, il y aura là, votre multiplication déjà venue. Remplissez la terre et la sujettissez et dominez. Vous aurez quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aurez aujourd'hui? Vous aurez la domination. Il n'y a rien qui vous écrasera. Il n'y a rien qui vous écrase, qui vous opprime, qui vous opprime. Il n'y a rien qui vous empêche d'avancer dans ce voyage de la croissance divine au nom de Jésus-Christ. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. On peut le voir très clair ici. Oui, l'intention de Dieu, la promesse de Dieu, la provision de Dieu, la puissance de Dieu. Mais, attendez un peu, la promesse est là. Voyons, chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Dites-le-moi haute voix, pour le cultiver et pour le garder. C'est le prix. Il y a la révélation que Dieu va bénir et Dieu va vous bénir. Et puis, il y a la responsabilité, quelque chose à faire. Il a donné la promesse et puis il nous dit ce qu'est le prix. Voyons, psaume. Psaume 104. Nous avons lu verset 1. Psaume 104, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Allons maintenant au verset 13. De sa haute demeure, il arrose la montagne. Cela parle de Dieu. Parce que Dieu veut faire de la terre un bon lieu pour vous de vivre. Et vous environne de toute bénédiction. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Dans la pensée de Dieu, dans son intention, dans ce programme, il veut que littéralement que tout le monde soit satisfait. Vous serez satisfait. Il fait germer l'herbe pour le bétail. Il les plante pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage. Votre visage resplendira. Les arbres de l'Éternel se rassasient. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. Maintenant, verset 23. Verset 23. Êtes-vous? Vous êtes, si vous êtes là, dites-le moi. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? À l'unisson, 1, 2, 3. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Voilà, c'est le prix. C'est le prix à prix. Comme on lit tous les autres versets, cela parle de la provision de Dieu. Cela parle de la promesse de Dieu.
Et vous savez, les croyants peuvent jeter les mains à l'air, gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux et Dieu va me bénir. Qu'il y aura la satisfaction. Et puis, comme il fait pleuvoir et comme il descend la bénédiction, tout va bien. Et puis, on nous dit ici maintenant que sors de ta maison et va au travail. Il y a un prix à payer. Je prie que Dieu ouvre les yeux, que nous ne laissons pas les choses aller à la dérive et dit que Dieu va tout faire, Dieu va tout faire. Il nous a donné quelque chose à faire et il va bénir l'œuvre de votre main. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage. Il faut quelque chose à faire. On doit faire quelque chose pour causer la croissance divine. Il faut votre vie appliquer la force pour augmenter, pour faire occasionner la croissance divine. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'à 11h, jusqu'à midi, et dit que je suis fatigué, je retourne à la maison. Jusqu'à quand? Jusqu'au soir. Oui, c'est bien dit. Il y a beaucoup de choses à faire et vous devez faire tous vos efforts. Vous devez appliquer votre force et dire que oui, je vais réussir. Dieu merci, je vois déjà qui vont réussir. Voyons Job 8, Job au chapitre 8, verset 5. La promesse et le prix. La promesse et le prix. Job 8, verset 5. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, alors tu dois ôter tout péché et tout insuit. On doit ôter toute iniquité afin que la puissance et les provisions du Seigneur soient les nôtres. Si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Verset 7, c'est pour vous. Il faut le dire, c'est pour moi. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Il faut le personnaliser. Mon ancienne prospérité semblera peu de choses. Allez vouloir dire cela. Mon ancienne prospérité semblera peu de choses. Faut pas mépriser les jours de faible commencement. Vous réveillez le matin, vous dites que moi je suis pas content de ce que je fais. Je ne suis pas satisfait de ce que je fais. C'est trop petit. C'est plus que mon niveau. C'est moins que mon niveau. C'est moins que ma dignité. C'est moins que ma formation. Ne vous en faites pas. Faites cela. Tout le monde autour de vous peut le faire. Faut le faire de toute votre force, de tous vos talents. Faites cela. Et le Seigneur vous dit que si vous faites cette petite chose-là bien, si vous faites bien cela, vous allez bien faire cela. Il faut bien faire ça à la maison. Il faut bien faire ça au boulot. Tout ce que vous faites là, qu'il y ait une énergie supplémentaire, la joie, l'enthousiasme. Vous faire cela, que je sais que c'est petit, mais ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Celle qui t'est réservée sera plus grande. Voyez, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je n'ai pas ceci. Ne t'en fais pas ceci. Ne t'en fais pas. Toi, va d'abord à Dieu. Tu seras surpris. Même à partir d'aujourd'hui, comme tu mets Dieu en première position, comme tu vas en chemin, les provisions vont te rencontrer en chemin. La croissance te rencontrera en chemin. C'est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et combien de choses, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qui a dit cela? C'est Jésus qui l'a dit.
peut-il mentir? Est-ce qu'il vous ment? Si tu fais ce qu'il a dit, vous aurez le résultat de l'obéissance dans votre vie. Cherchez premièrement. Je suis heureux que vous soyez ici. Êtes-vous heureux que je sois ici? Je suis heureux que vous êtes, que vous soyez là avec l'embouteillage et avec le problème là-bas dans la voie. Vous dites que je serai là. Je dois être là. Dieu vous honorera. Vous cherchez premièrement le royaume de Dieu. Vous pourrez dire, je vais faire ci, j'allais faire ci, je vais faire ci. Mais tu dis, mais je vais mettre Dieu en première position. Vous ne serez pas ici cette nuit en vain. Dieu ajoutera à votre vie l'addition dans votre vie, la multiplication dans votre vie. De qui je parle là-bas, qu'il vous soit fait selon votre foi au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant, c'est la position des colonnes dans la croissance désirable. Voyez votre vie. Si vous voyez votre vie personnelle, que je veux la croissance dans ce domaine, ça c'est désirable. Dans votre famille, je veux la croissance là-bas. Peut-être il n'y a pas d'enfant là-bas et que je veux un enfant, ben deux enfants, je veux des jumeaux, qu'il ait une croissance dans notre famille. Dieu a écouté votre désir. Il a écouté votre pétition. Mais vous voyez, tous ces désirs-là ont des piliers. Regardez ce bâtiment, cette maison, nous sommes là. Oui, le bâtiment est posé, est construit, est bâti. Le bâtiment est bâti, est construit sur des piliers. Mais si on veut avoir un petit bâtiment, il faut un petit pilier. Mais si on veut avoir un imposant, impressionnant édifice, il faut de grands piliers. Oui, laissez-moi vous montrer. Voyons, Proverbe chapitre 9, verset 1. Allons en Proverbe. Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes. Ouais, les colonnes sont là. Et comme on parle de la croissance divine, nous parlons d'une croissance définie, nous parlons de croissance désirable. Il y a des piliers et ces piliers, quels sont les piliers numéro 1? Numéro 1, il y a la foi. Il y a une foi accrue. Une foi accrue. Voir Luc 17, verset 5. Luc 17, 5. Les apôtres disent au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Augmente-nous la foi. Ils savaient. S'il faut une croissance dans leur vie, ils augmentent notre foi. Si vous avez la foi en Dieu, peut-être vous avez une petite confiance en lui. Maintenant, vous voulez une croissance dans votre vie. Vous voulez l'expansion. Vous voulez l'élargissement dans votre vie. Vous voulez le progrès. Vous demandez plus. La colonne ou les piliers sur lesquels vous allez bâtir tout cela, cette foi augmentée, cette foi accrue. Oui, je mettais la confiance en Dieu, mais je dois mettre plus de confiance en lui. Un pas à la fois, un petit pas, une petite foi. Alors, cette croissance désirable viendra dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un principe. Il y a des principes. Si vous allez faire quelque chose, je vais maintenant l'élargir un peu. Numéro 1, vous avez la foi en Dieu. Numéro 2, vous avez la foi. Regardez ceci. En vous-même. Il y a des jeunes qui vont à l'école, qui sont allés à l'école. C'est le premier jour à l'école. Et le maître dit, et présentez-vous. L'autre s'est levé et a baissé la tête. Je suis celui-ci. Et l'autre était intimide, très timide. L'autre dit que je suis celui-ci. Que nous vivons dans une société de bassesse. Je suis venu à l'église aujourd'hui. Le dernier s'est levé. Et dit, alors il a redressé les épaules. Et je peux le voir comme si c'est vous. Il est comme vous. Il a regardé au maître face à face. Et le petit a dit, je suis Johnny. Je vais réussir.
parce que Dieu n'a pas fait de moi un échec. Moi, je vais conduire, mener cette église parce que Dieu ne m'a pas mis à la queue. Imaginez, il a la foi en Dieu, il a la foi en Dieu, que Dieu n'a pas fait de lui un échec. Dieu n'a pas fait de moi un échec. Dieu n'a pas fait de moi un défectiste. Dieu n'a pas fait de moi un quoi. Dieu n'a pas fait de moi quelqu'un qui est sous la table. Ah, vous ne voulez pas dire ça? Dieu a fait de moi un conquérant. Il a fait de moi un succès. Dieu a fait de moi un capitaine. La foi en Dieu et la foi en toi-même. La foi dans les gens. On ne peut pas vivre seul. La personne va t'aider. Donc, il faut mettre ta confiance à la personne. Tends-lui la main. Aie une bonne attitude envers la personne. La foi en Dieu, la foi en toi, la foi envers les autres, dans les autres. Seigneur, augmente notre foi, c'est le pilier. Et le Seigneur va vous faire croître au nom de Jésus. Numéro 2, c'est l'amour augmenté. Augmenter l'amour. Si vous allez faire quelque chose, les gens voient votre attitude, votre vie. S'il n'y a pas d'amour, si vous y avez la haine, chaque fois vous critiquez les gens, chaque fois on n'a pas bien fait ceci, vous n'aimez personne, vous dites que je vais les aimer. Quand ils même manifestent l'amour d'abord, quand tu vois le miroir reflète qui tu es. Si tu te renfrognes, tu vas le voir dans le miroir. Si tu souris, tu vas le voir. Ouais, prends courage et sois joyeux et touche la vie des gens. Quand il y a l'amour accru, l'amour augmenté, alors l'amour, la croissance que tu cherches va venir dans ta vie. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Numéro 1, alors la foi augmentée, la foi accrue, l'amour augmenté, l'amour accru, et 3, c'est une justice augmentée. Deuxième Corinthiens 9, 10, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Les fruits de votre justice. Vous savez, il y a certains qui ont l'idée que si je dois augmenter, si je dois avoir la croissance, alors il faut être, il faut faire dépasser par des magouilles, il faut se corrompre, il faut faire de mauvaises choses. Non, ce n'est pas ça. Vous voulez la croissance? Dieu merci, la croissance viendra. Dieu merci, la croissance viendra. Maintenant, c'est l'heure de retourner au calvaire pour dire Seigneur, aide-moi. Il faut qu'il y ait la croissance en foi, 2, la croissance en amour, 3, la croissance de justice et la croissance de force. Si tu veux porter le fardeau et que le fardeau est plus pesant que celui d'hier, donc il faut plus de force. Si la force, il vous faut parcourir une longue distance que celle d'hier, il faut une énergie plus grande. Si vous montez, gravissez une montagne plus élevée que celle d'hier, il faut plus de force. C'est pourquoi nous avons besoin d'une augmentation en force, mais de notre force. Ésaïe 40, vous serez plus fort aujourd'hui qu'hier. Vous allez courir plus vite que hier au nom de Jésus-Christ. Ésaïe au chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas, vous le saurez. Ne l'as-tu pas appris, vous allez l'apprendre. C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Qu'est-ce qu'il fait? Et il augmente.
la vigueur. Cette nuit, il va augmenter votre vigueur. De celui qui tombe en défaillance, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel sont-ils là cette nuit? Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Pourquoi? Verset 29. Il y a une force. Il y a une augmentation de force. Et ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Numéro 5. C'est une augmentation de connaissance. Une connaissance augmentée. Le maître enseigne au cours préparatoire, au cours préparatoire première année, et il se plaint. Pourquoi le maître, pourquoi le directeur me laisse avec ses petits? Mais si tu as une connaissance augmentée, accrue, mais il va te, le maître, le directeur va te faire envoyer dans les classes supérieures. Mais si tu veux la croissance, la promotion, le progrès, ouais, tu dois avoir une connaissance augmentée. Voyons Colossiens au chapitre 1, Colossiens 1, 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous devez connaître aujourd'hui ce que vous ne connaissez pas hier. Si vous donnez peu de minutes chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau, pour apprendre de nouvelles promesses, pour avoir de nouvelles connaissances, pour avoir de nouvelles perspicacités, si chaque fois vous apprenez chaque jour, vous savez que c'est une petite goutte qui fasse déborder le vase. Si vous avez cette connaissance accrue, voyez quelque chose ici, je vais vous montrer cela en Proverbe 19. Proverbe au chapitre 19, votre croissance est venue. Il faut dire ma croissance est venue. Proverbe 19, verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Vous parcourez la vie, vous ne connaissez mais rien même de l'autre voisin. Vous prêchez aux autres, vous ne connaissez pas leur voisin, vous ne connaissez pas leur désir, vous ne connaissez pas ce qu'ils traversent. Le manque de science n'est bon pour personne. Et le cultivateur doit connaître l'état du sol et les récoltes les graines à semer dans un sol donné. C'est pourquoi on doit avoir la croissance dans l'amour, dans la force. Il faut la croissance dans la foi, et il faut également avoir un apprentissage augmenté. Oui, c'est par la foi, c'est par la justice, c'est par la force, c'est par la connaissance, et c'est par l'apprentissage ou bien les études qu'on aura une croissance désirable. Proverbe 9. Proverbe 9, 9. Vous êtes sage. Proverbe 9, 9. Donne au sage et il deviendra plus sage. Vous deviendrez plus sage cette nuit. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Numéro 7. Il faut augmenter vos efforts, votre travail. Déjà, vous êtes prêts. Et la croissance divine viendra tout en vous appliquant au devoir de la vie, tout en vous mettant au défi de la vie. Alors, faut pas fuir les difficultés. Si vous fuyez les difficultés, lorsque vous reviendrez demain,
la difficulté là va croître. Si vous fuyez le défi, le danger, à la semaine prochaine, le défi là ira au niveau supérieur. Vous allez fuir encore. Quand je reviendrai, en revenant, la chose là encore prendra un niveau hauteur, une nouvelle hauteur. Vous allez continuer à fumer. Restez là où vous êtes, vous allez réussir. Personne ne vous fera fuir de là où vous êtes. Parce que Dieu vous a destiné à la croissance divine. Comme vous restez là-bas disant que ceci va se faire et cela se fera. Qui le fera? Dieu le fera. Mais qui va-t-il utiliser? Dieu va t'utiliser. Voilà ceci. 1 Corinthiens 3, 6 et 7. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Vous devez faire quelque chose. La paresse hors de votre vie au nom de Jésus-Christ. L'oisiveté, rester là-bas, s'asseoir du matin jusqu'au soir. Mon frère, pourquoi tu es ici? Il n'y a personne qui me donne quelque chose. Va produire la chose. Je dis, va créer quelque chose. S'il n'y a personne qui t'emploie, oui, va prier Dieu et utilise ton cerveau et ton esprit pour devenir un employeur, pour devenir un directeur, pour devenir un directeur. Est-ce que cela peut se passer? Vous allez revenir avec des témoignages. Donc, nous comprenons que cette croissance divine nous est communiquée ce soir. Mais nous avons un prix à prier. Comme la croissance divine vient, il y a des piliers, des colonnes sur lesquelles cela vient. Trois, notre prière et notre préparation pour la croissance distribuée. Voyons Ézéchiel 34. Vous devez rentrer à la maison avec cela. La bénédiction rentre à la maison avec vous. Les miracles retournent à la maison avec vous cette nuit. Est-ce que vous êtes là? Ézéchiel 34, verset 26. Je ferai d'elle et des avirons de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Et voici votre temps de croissance, votre temps de bénédiction, votre temps de puissance et de force. Et ce sera une pluie de bénédiction. La pluie tombe pour tout le monde. La pluie va tomber et cela va toucher votre maison. Cela va toucher votre famille et les arbres. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays. Vous serez en sécurité. Vous serez protégés dans le pays. Et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leurs joues. Toujours dans votre vie, tout empêchement dans votre vie est brisé cette nuit au nom de Jésus-Christ. Et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Vous n'allez plus demeurer esclave à quelque chose. Vous n'allez pas demeurer esclave à la drogue. Cela est brisé. Esclave d'un homme à une femme, cela est brisé. Esclave à une force, la force qui vous a retenu jusqu'à ce jour, vous en êtes délivré au nom de Jésus-Christ. 36. Ézéchiel 36. Verset 11. Ceci, cela est pour vous. Je dis ceci là, cela c'est pour vous. Au lieu de dire, mais il faut dire, cela m'appartient. Je multiplierai sur vous les hommes et les femmes et les animaux. Amen. Ils multiplieront, oui, vos secouristes, vos aides vont multiplier. Vos supporters vont multiplier. Ceux qui vont vous pousser vers l'euro vont multiplier au nom de Jésus-Christ. Et seront féconds. Je veux que vous soyez habités. Je veux que vous soyez habités. La confusion est ôtée de votre vie. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai. Le ciel a dit qu'il fera. Le Dieu Tout-Puissant a dit qu'il fera. Le ciel a dit qu'il
qui vous fera plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. Laisse-moi vous montrer quelque chose. Là, dans le même chapitre où Dieu a dit qu'il fera, voilà ceci, verset 37, le même chapitre. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Pour certains, Dieu a dit qu'il le fera. D'accord, en son temps, il le fera, que sa volonté soit faite. Si un vent souffle et puis leur toit est ôté, que la volonté de Dieu soit faite. Si quelque chose est venu sur eux et puis la croissance qu'ils espéraient, alors cela ne vient pas. Ils disent que oui, c'est le Dieu Tout-Puissant, tout ce qu'il veut faire, que Dieu le fasse. Ils ne prient pas, ils ne comprennent pas que Satan est après eux et Satan voudrait éliminer ce que Dieu leur a promis. Quand vous priez cette nuit, vous allez couper la main du diable de votre vie. C'est pourquoi c'est dit, verset 37, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau et que je le ferai. Mais cette nuit, toute prière que vous ferez sera exaucée. Toute prière que vous priez, Dieu va vous exaucer. Mais vous voyez, je suis allé à l'école et puis il y avait un garçon dans notre école, un garçon très intelligent, il est très talentueux. Et le garçon là, vraiment, il a enclin à la science. Et quand l'enfant là, l'enfant, il va commencer à jouer de la guitare. Parfois, je dis comment, pourquoi tu n'es pas si... Il va dire que Dieu m'a promis que je vais réussir. D'accord. Alors, on va quoi? Alors, quand on va au cours, il reste à côté de la voix, en train de jouer de la guitare. Après, on a fait l'examen. Imaginez. Un enfant, il était très brillant. Il a joué. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Tout ce que vous semez, c'est ce que vous moissonnerez. Si vous ne semez rien, vous n'aurez rien. Si vous semez le maïs, vous moissonnerez le maïs. Si vous semez du riz, vous allez moissonner quoi? Le riz. Si vous semez l'oisiveté, vous allez moissonner l'échec. Vous n'allez pas semer l'oisiveté. C'est bon de prier. Mais ce que le Seigneur nous dit, c'est que priez et planifiez. Vous devez planifier. Celui qui échoue de planifier, planifiera pour échouer. Il faut vous poser la question, où est-ce que je vais? Quelle promotion, quelle croissance je désire? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que j'attends? Alors, je localise, j'identifie la destinée, cette destination. Quel itinéraire me mènera-t-il là-bas? C'est la planification. Par quel moyen dois-je arriver là-bas? Un ami, un voisin, un conseiller, une aide, ou bien qui peut m'aider? Alors, je sais que tous viendront m'aider. Oui, je planifie comment je peux en faire usage. Ou comment je peux me tenir, comment je peux commencer. Vous priez et vous planifiez. Proverbe, chapitre 24. Soyez tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. Fais la planification. Et après cela, il faut bâtir. Numéro 2, tu pries et tu planifies et tu plantes. Voilà le cultivateur qui veut la croissance. Alors, et on vient au réveil,
de jeudi et c'est la nuit de la croissance divine. Et il a reçu toutes ses promesses. Il dit que gloire à Dieu, je vais réussir, je vais augmenter. Le pasteur a dit qu'on reviendra la prochaine avec des témoignages. Et arrivé, c'est un cultivateur. Il est arrivé à la maison, il n'a rien semé, il n'a rien planté. Il a dit, le pasteur a dit, le pasteur a prié que tout ira bien. Et puis, lorsque les autres cultivateurs moissonnent, l'homme là n'a rien moissonné. Et il dit, mais le pasteur m'a menti. Est-ce que je lui ai menti? La parole de Dieu est véritable, est vérité. Mais l'homme n'a pas planifié. Vous priez et vous plantez. Vous priez et vous plantez. Jean. Jean, chapitre 12. Jean 12, verset 24. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, c'est le processus de germination. Il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je vois des gens fructueux ici. Numéro 3. Prier et purger. Mais prier et être purifié. Il y a une façon que celui qui est en haut parle. Il y a une façon où la personne s'habille et la, comment la personne agit, comment la personne interagit, comment la personne se comporte, et comment la personne se contrôle, et comment la personne se conduit. Il faut vous mettre là-bas. C'est là où vous allez. C'est là que vous allez. Si moi j'ai la croissance que j'attends, comment dois-je agir, comment dois-je parler? S'il y a des choses dans votre vie qui ne vont pas convenir à la position là, qui ne vont pas convenir à la croissance là, vous devez les purger. Vous allez dire que non, le concurrent ne parle pas comme ça, je ne vais pas parler. Le concurrent ne se comporte pas comme ça, je ne vais pas me comporter comme ça. Il y a une purification et tu ne permets pas à n'importe qui de venir le faire pour toi. Tu dois le faire toi-même. Tu sais que c'est là que je vais et que tu iras là-bas. Tu pries et tu planifies. Tu pries et tu planifies. Tu pries et tu purifies. Voyons Jean 15, Jean 15, Jean 15, 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il est l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Plus de fruits dans votre vie. Plus de fruits dans votre famille. Numéro 4, prier et poursuivre. Priez et poursuivez. Dans la vie, vous devez comprendre que si vous voulez quelque chose, le succès ne va pas tomber sur vous comme un fruit mûr qui tombe. Vous avez une poussée en vous. Vous êtes un homme d'objectif, une femme d'objectif, quelqu'un qui poursuit quelque chose de devant. Parfois, vous êtes fatigué, mais vous n'allez pas démissionner. Je dis, vous n'allez pas céder. La chose là que vous cherchez, vous devez poursuivre. Vous priez, la prière est nécessaire. Mais vous invitez Dieu, alors vous dépendez de Dieu et vous priez et vous poursuivez. Juge 8. Votre victoire est arrivée. Votre succès est arrivé. Mais vous priez et vous poursuivez. Juge 8, verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Faut pas céder, fatigué, mais poursuivant toujours. Faut pas retourner à la maison, fatigué, mais poursuivant toujours. Faut pas dire que la fin est venue, fatigué, mais poursuivant toujours. Mais poursuivant toujours, mais poursuivant toujours. Vous continuez de poursuivre. Et Dieu vous donnera la force, l'énergie divine, la puissance divine. Vous allez réaliser. Là en haut, où êtes-vous? Vous allez réaliser. Vous priez et vous planifiez. Vous priez et vous planifiez et plantez. Vous priez et vous purgez. Vous planifiez et vous poursuivez. Vous priez et vous avancez. Vous avancez. Vous allez de l'avant. Avez-vous entendu parler de ces gens
et il c'était une natation. Il allait et il nageait. L'autre dit au milieu, dit qu'il est fatigué, il n'est pas content. C'était une compétition de natation et à la nage, ils nageaient. Et celui-ci, il va avec, il est fatigué, il dit que je ne vais pas continuer. Mais il y a l'autre là qui dit seulement un effort, seulement encore un coup, seulement un coup. Il était fatigué, mais seulement un coup, seulement encore un coup, seulement un coup. Il est arrivé au point de départ, au point d'arrivée. J'arriverai à la ligne d'arrivée. Il dit, je vais arriver à la ligne d'arrivée. Le jour là arrive où vous paraissez fatigué, mais vous dites, mais ça c'est mon but. Le jour arrive, vous voyez très là, vous dites, non, ça c'est mon but. Le jour arrive et c'est comme tout est sens dessus, encore un seul coup, encore un jour, je vous verrai à la ligne d'arrivée. Voyons, Philippiens 3, 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Il faut faire cette chose, ce seul devoir. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14. Qu'est-ce que c'est là-bas? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'avance. Vous ne serez pas fatigué. Vous ne serez pas là. Vous serez réalisateur. Vous allez réussir. La croissance, là, Dieu va vous l'accorder au nom de Jésus-Christ. Numéro 1. Prier et planifier. 2. Prier et planter. 3. Prier et priger. 4. Prier et poursuivre. 5. Prier et avancer. 6. Prier et épanchez-vous. Prier et épanchez-vous dans cette vie. C'est un service sacrificiel qui est récompensé. Tu veux avoir quelque chose, il faut donner. Tu veux la possession, alors il faut vous épancher, il faut vous donner aux gens. Toucher des vies et édifier les gens. Aider les gens. Versez-vous sur les gens. Et deuxième roi 4, 1. Une femme, d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Tu dois avoir quelque chose. Tu as un cerveau, tu dois avoir quelque chose. Tu as des yeux pour voir que tu as quelque chose. Tu as la foi en Dieu, tu as quelque chose. Tu as quelque chose dans ton cœur qui te dit que la vie ne se termine pas ici. Je dois toujours aller là où je dois aller. Tu as quelque chose, j'ai quelque chose. Vous avez une certaine éducation, vous avez quelque chose. Vous avez un dépôt, vous avez quelque chose. Vous avez un fondement, vous avez quelque chose, j'ai quelque chose. Vous avez le salut, vous avez quelque chose. Vous avez les promesses de Dieu, vous avez quelque chose. Vous avez le Dieu Tout-Puissant qui vous soutient, qui dit, je t'ai créé, je t'ai façonné, je t'ai racheté, je t'ai apporté dans cette vie pour faire quelque chose. Vous avez plus que quelque chose, vous allez réussir. Et dit, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras
Vous devez verser cela. Vous devez vous épancher. Vous devez vous verser. Continuez à aider les gens. Continuez à élever les gens. Suyez, transpercez, à verser vos talents sur les gens. Et tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Votre vie sera pleine. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Et je vais me verser, je vais m'épancher, je vais m'épancher. Et lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Lorsqu'il n'y a plus d'autres vases vides, tout va cesser. Mais aussi longtemps qu'il y a des gens sur qui, aussi longtemps qu'il y a des gens que vous pouvez aider, aider celui-ci, visiter l'autre là, rendre les gens heureux dans la vie, vous contribuez à la vie des gens et vous continuez à avancer. Comme vous vous épanchez, le ciel va se répandre sur vous. Numéro 7, priez et persévérez. Priez et persévérez. Ceci n'est pas, ce n'est pas l'âge de se fatiguer facilement. Je ne peux pas, je ne peux pas. Il faut prendre un bic et il faut, faut voir ton dictionnaire. Je ne veux pas parler du dictionnaire, mais votre dictionnaire émotionnel, le dictionnaire de votre vie. Et voyez le dictionnaire dans votre subconscient et il faut éliminer ne pas. Et vous dites, je peux faire combien de choses, tout par celui qui me fortifie. Christ va vous fortifier au nom de Jésus-Christ. Priez, persévérez. Il ne faut pas démissionner. Je ne démissionnerai pas. Je ne céderai pas. Genèse 32, verset 26. Et dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Je suis venu pour la bénédiction, je dois être béni. Je suis là pour la croissance, je dois la recevoir. Je suis ici pour être guéri, je dois l'avoir. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et la bénédiction du Seigneur était venue sur lui. Et Dieu est le même. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La bénédiction là est maintenant votre tour. Je dis, c'est maintenant votre tour. Où êtes-vous? Je dis, maintenant c'est votre tour. Pourquoi ne pas vous mettre debout et dire, Seigneur, cette nuit, je suis là pour la croissance divine. Alors, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. La promesse et le prix, tout est disponible. Le Seigneur vous touchera maintenant. Dites-lui, quel domaine de votre vie? Quand vous voulez la croissance de Dieu, la croissance dans votre justice, la croissance dans la santé, la croissance dans l'œuvre de votre mère, la croissance dans le programme, dans le projet que vous avez, cette nuit, c'est la nuit de croissance. Quelle est la croissance cette nuit? Quelle est la croissance cette nuit? Augmentez votre foi, ne cédez pas, augmentez votre amour, aimez les gens, augmentez la justice, augmentez votre force. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prendront le vol comme des aigles. Vous allez courir, vous n'allez pas vous fatiguer. Vous allez marcher, vous n'allez pas vous lasser. Augmentez votre croissance dans la connaissance de la parole de Dieu. Apprenez les promesses de Dieu. Éloignez les problèmes de vous. Une promesse chaque jour éloignera le problème. Une promesse chaque jour gardera la difficulté loin de vous. Je sais que cette nuit il y aura la croissance divine dans ma vie. Dites-le au Seigneur, s'il y a quelque chose à purger, s'il y a quelque chose à ôter de votre vie, s'il y a quelque chose à laver de votre vie, et la chose qui ne fera pas de vous un vainqueur, il faut l'éloigner de votre vie, disant, Seigneur, je suis prêt maintenant, je suis prêt pour la croissance divine. Seigneur,
Je suis prêt. Je veux une croissance définie dans ma vie. Je suis prêt pour la croissance désirable. Je suis prêt pour une double croissance. Je suis prêt pour une croissance distribuée. Je suis prêt pour une croissance définie. Cela vient. Cela vient. Il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas dire que je ne crois pas réussir. Il ne faut pas planter et déraciner le jour prochain. Il faut l'avoir aujourd'hui. Il faut l'avoir aujourd'hui. Il faut l'avoir aujourd'hui. Il faut dire, Seigneur, c'est à moi. Seigneur, c'est à moi. Seigneur, c'est à moi. Et quand vous allez quitter cette nuit, quitter ici, vous irez avec la confiance que moi, je vais réussir. Que moi, je vais réussir. Moi, je vais réussir. Le ciel est à vos côtés. Dieu vous soutient. La Bible est à vos côtés. Le peuple de Dieu vous soutient. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Sortez, sortez, priez et avancez. Priez et avancez. Priez et avancez. La croissance divine est disponible. Y a-t-il quelque chose qui vous dérangera? Le Seigneur va l'enlever. Au nom de Jésus, nous prions. Que les vainqueurs disent Amen. Que les réalisateurs disent Amen. La croissance dans votre vie, la puissance dans votre vie, le succès dans votre vie, la montagne là, vous allez la gravir. Levez la main là. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour tout le monde ici, pour tout enfant, pour tout garçon, pour tout homme, pour toute femme, pour tout frère, pour toute soeur. Je prie qu'aujourd'hui soit le commencement de la croissance divine dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui se tient sur la voie de quelqu'un, je prie que la puissance de Dieu du ciel balaye la chose là au nom de Jésus-Christ. Ôte tous les dérangements, ôte tous les problèmes, ôte tous les défis. Seigneur, je prie que cette destinée, la destination que tu as pour tout le monde ici, accorde-leur la force, accorde-leur la vision, accorde-leur la révélation, accorde-leur la puissance, et qu'ils soient là au nom de Jésus-Christ. Tout empêchement sur le vent, ôtez-la, ôtez-le. Tout empêchement de maladie, ôtez-le. Tout empêchement de pauvreté, ôtez-le. Tout empêchement de découragement, ôtez-le. Tout empêchement de puissance des ténèbres, ôtez-le. Tout empêchement d'un jour, ôtez-le. Seigneur, je prie, touche tout le monde cette nuit. Je prie, Seigneur, que ta promesse soit oui et amen dans toute ta vie. Fortifie-les dans l'homme intérieur et resplendis leur vision spirituellement. Seigneur, je prie que tu les amènes à ce lieu où il y a l'abondance totale qui coule au nom de Jésus-Christ. La joie dans tout cœur, la guérison pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, la réalisation absolue pour tout le monde, la victoire pour tout le monde, la croissance divine, la promotion désirable, la croissance définie désirable, la croissance céleste, la croissance appropriée pour tout le monde. Confirme cela, Seigneur, dans toute ta vie. Je te remercie parce que je sais que tu as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je le verrai dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.